Bonjour, le conseil municipal s'est déroulé ce mardi. C'était mon premier en tant que nouveau maire d'Aix-les-Bains. Et je trouvais normal, important, de vous informer de ce qui s'y est dit. Bien sûr, il y a eu un certain nombre de délibérations qui ont été débattues, qui ont été votées. Mais le moment le plus important a été le débat d'orientation budgétaire, le DOB. Alors qu'est-ce que c'est un DOB? C'est la présentation des orientations municipales pour 2019. Orientations qui devront être inscrites et votées dans le prochain budget en décembre de cette année. Alors quel est le contexte? D'abord, une situation dans laquelle les aides de l'État sont toujours en diminution. Il faut savoir qu'en 10 ans, elles ont diminué de moitié. Face à cela, ou plutôt malgré cette situation, nous continuons à ne pas souhaiter augmenter les impôts locaux, c'est-à-dire maintenir au même taux la pression fiscale en direction des Aixoises et des Aixois. L'objectif est toujours de maîtriser notre endettement. Nous avions proposé en début de mandat de désendetter la ville, de passer de 42 millions à 32 millions d'euros, et nous avons atteint le chiffre de 30 millions. Nous allons donc continuer dans cet effort, comme dans celui de la maîtrise du fonctionnement de la collectivité, c'est-à-dire à la fois mieux maîtriser nos dépenses publiques, mais aussi notre masse salariale, sans pour autant affecter le fonctionnement des associations, c'est-à-dire sans baisser le niveau de subvention à la vie associative locale, qui est essentiel pour l'équilibre, l'animation et le lien dans la ville. Alors concernant l'investissement, nous proposons d'injecter 10 millions d'euros dans la vie locale, dans la vie économique, pour soutenir l'emploi. Et dans ce domaine, le mieux, c'est d'aller sur le terrain, parce que c'est là où ça se passe. Premier endroit, le musée fort, qui est vraiment un de nos joyaux. Deuxième collection nationale de Rodin. Beaucoup de tableaux impressionnistes et bien d'autres trésors. Mais des façades à rénover, un intérieur également à remettre au goût du jour, donc des travaux à entreprendre. En descendant un petit peu le boulevard des Côtes, on arrive sur l'église Notre-Dame, propriété de la commune, un des éléments importants de notre patrimoine depuis des décennies et qui, elle aussi, a besoin d'être consolidée dans ses structures comme dans ses façades extérieures, un investissement important pour la commune et pour les Aixois. Nous sommes à présent dans la partie basse du centre-ville qui a un grand besoin de stationnement. Le bâtiment qui est derrière moi, nous projetons d'en faire l'acquisition pour le déconstruire et créer un cheminement piétonnier sécurisé pour les gens qui se rendent au marché. C'est, je dirais, la première étape de notre projet de parking en élévation contre le gymnase des Prairions. Alors le bois Vidal, un poumon vert au cœur de la ville, les Aixoises et les Aixois y sont très attachés. Notre souhait, mon souhait, c'est de le sanctuariser et de le moderniser, l'aménager avec le concours de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour que les Aixois vraiment puissent se le réapproprier comme ils le souhaitent et comme ils l'ont exprimé l'an dernier. Beaucoup de personnes le constatent, la partie nord de la ville est encombrée, saturée par la circulation, en particulier des poids lourds. C'est un des pendants de l'attractivité d'Aix-les-Bains. Nous pouvons enfin lancer, elle est attendue depuis plus de 20 ans, même un quart de siècle, la desserte des Combaruches, en partant de l'échangeur autoroutier d'Aix-Nord, Grésy-sur-Aix. Une voirie nouvelle va être créée jusqu'à la zone d'activité économique des Combaruches, de façon à soulager de la circulation, du bruit, de la poussière, les riverains du chemin des sources et des coteaux d'Aix-les-Bains. Alors, nous sommes ici au cœur d'Aix-les-Bains avec ce projet des anciens thermes. On en parle depuis des années. On peut considérer qu'il est en passe de commencer avec le désamiantage au tout début, nous l'espérons, de l'année 2019. Un projet pour les 5 années qui viennent, pour tous les Aixois et même au-delà. Un projet en termes de logement, de commerce, d'économie, de soins, mais également d'activité tout simplement et de stationnement ici au cœur de la ville.
Sur la colline de Marlioz, l'école va faire l'objet d'une rénovation, principalement en caractère énergétique, mais aussi en termes de sécurité, en changeant le sens d'entrée-sortie des écoliers. C'est, on peut le dire, la première étape d'un changement très attendu par les habitants, d'un contrat de ville, d'une rénovation urbaine de ce quartier d'Aix-les-Bains installé sur une colline. Thank you.